Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, je vais te donner un super bon exercice pour apprendre à libérer ton bassin. Le bassin, c'est la base du tout, c'est la jonction entre les jambes et le dos et c'est hyper important d'avoir un bassin qui bouge bien. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube et à, putain, ça vous en fait des trucs à faire et à vous activer la chaîne des notifications. C'est toujours un peu chiant de se faire l'autopub, mais vous savez que pour nous, le soutien de nos abonnés, c'est hyper important et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre tous les jours. Ça me fait hyper plaisir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est déjà 22 000, c'est un truc de fou. Donc merci, merci du fond du cœur. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. L'exercice que je vous ai montré se fait tout simplement avec un élastique. Moi, je l'ai fixé, mon élastique, à une poignée de porte, Leroy Merlin ou Castorama ou Carrefour. Bref, je ne fais pas de placement de produit, je m'en fous. Parce que je trouvais ça plus joli que des espaliers. Vous pouvez le faire à une poignée de porte. Vous attachez l'élastique et le but du jeu va être tout simplement de venir chercher les mobilités de bassin. Et vous allez voir qu'en fait, à cause de la résistance de l'élastique, quand vous arrivez à une fin d'amplitude pour vous, l'élastique va vous amener un petit peu plus loin. Donc vous le faites de face, à gauche, à droite. Vous pouvez le faire de face en arrière pour majorer en fait la rétroversion. Toc, en avant pour aller plus loin sur l'antéversion. Vous pouvez le faire une dizaine de fois. Ensuite, vous allez le faire de dos. Pareil, je vais venir majorer l'extension et là venir me courber le plus possible pour étirer les spinaux. Un, deux. Ensuite, vous pouvez le faire en latéral, vous poussez et vous vous laissez partir. 1, 2, 3. Et vous allez voir ce qui est assez intéressant, c'est que si vous faites des petits ronds en fléchissant les genoux, c'est assez intéressant pour venir visiter des amplitudes au niveau de votre bassin, même au niveau de hanche, que vous n'avez pas l'habitude de visiter. Ça peut tirer un petit peu, évidemment, vous restez en dessous du seuil de douleur. Là où c'est intéressant, c'est que tout simplement, votre bassin va bouger un peu plus. Un bassin mobile, c'est hyper intéressant. Allez! Vu comme ça, oubliez tout ce que j'ai dit. Non, on arrête cette vidéo, on arrête cette vidéo!